sur les sentiers, y a de l'histoire. L'histoire, c'est incroyable. Tu te rends compte que tu marches dans des sentiers où il y a des millions et des millions qui ont marché. Incroyable. Juste pas en conscience de... Puis là, dans chaque petit village, ou à quelque part, ou sur la route, il y a des choses, il y a des... Tu découvres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose, si tu veux. Il y a des bons guides de fait aussi qui t'aident, les guides, les petits livres. Oh, aujourd'hui, on ne veut plus rien porter dans son sac, donc tout est informatisé, donc dans ton téléphone, tout est là, tu sais. C'est facile de s'entrer dans toute l'histoire de ces chemins-là. Puis ça alimente aussi le fait que tu réalises que tu n'es pas le seul sur la planète, puis tu n'es pas le seul qui a marché là, puis tu ne seras pas le dernier. Ça, là, c'est riche, c'est très, très riche comme expérience dans le Camino par rapport à l'histoire. J'ai rencontré des gens comme ça, par hasard, jaser, marcher un peu avec, souper avec. Oh! On se perd de vue, puis on se revoit 3 jours après. C'est comme, wow! Où t'étais? Et c'est comme si tu connaissais tout. Ah, c'est beau. Je vois du monde là, qui se donne des caresses, le grand respect. C'est ce parti-là qui m'alimente tellement. Quand je vois les gens s'accueillir, quand t'arrives à Saint-Jacques, là, c'est comme waouh! Là, c'est devant la cathédrale Nord. Là, c'est dit, oh my god, que du monde! Là, les accolades, puis y a des gens couchés à terre, là, tout en groupe, là, tu sais. Une espèce de prise de conscience. Tu sais, on l'a fait. On a marché ensemble. Il y a aussi un vide parce qu'on sent que c'est la fin. Et on doit se quitter, ça, c'est pas évident aussi. Il y a vivre des choses aussi, là. Nous, toi aussi, d'ailleurs. Moi, je ne suis jamais épargné, là, parce que j'ai quand même quitté des grandes amies que je m'avais fait sur les sentiers. Donc, et la messe. Ah, la fameuse messe. Il n'y a pas personne qui en manque. J'ai jamais vu une église aussi pleine de ma vie. Il y a même une place où s'asseoir. C'est assis. À Saint-Jean-de-Compostelle, avec peu de gens, plein à craquer, Et puis là, il y a tout un rituel, là, tu sais, c'est pas mon intention, mais il y a un rituel à la célébration, tu sais. Il y a cette espèce de grosse affaire dansant, là, qui est à la fin de la célébration, là, qui part d'un bout à l'autre. Ça part, puis ça l'envoie de la boucane, tu sais, tu fais une histoire derrière de ça, parce que ça ne date pas de notre siècle, c'était bien avant, ça. Et puis, derrière, l'encens, quand tu y penses, c'est comme une boucane qui arrive, alors que c'est comme la prière, c'est comme j'offre. En marchant, là, tu vois, on marche pour des gens.